J'avais envie de commencer par vous, Iris Bucher, mais avant, on va regarder tout de suite la bande-annonce du Bazar de la Charité qui sera diffusée prochainement sur bientôt, TF1. Ouais. Une fiction, 6 fois 52 minutes, 8 fois 52 minutes, qui a coûté 16 millions d'euros. C'est une grosse production, on peut dire ça comme ça. On dit que cet homme s'est comporté comme un héros pendant l'incendie. Vérifiez, vous verrez que je dis la vérité. Jusqu'où t'es prêt à aller pour cet homme? J'irai jusqu'au bout. Événement, le bazar de la charité, prochainement sur TF1. Iris Bucher, avant de parler du Bazar de la Charité, vous qui produisez des séries depuis maintenant 2012, est-ce que vous avez senti un vent de panique arriver chez les chaînes de télévision traditionnelles lorsque les plateformes comme Netflix sont arrivées ? Vent de panique, je ne dirais pas. Une remise en question, une envie de répondre à ce défi qui leur est lancé. Une envie de nous bousculer aussi pour qu'on fasse des propositions plus osées, avec un pas de côté, moins attendu. C'est très. En fait, ce qui s'est passé ou ce qui est encore en train de se passer me semble très rafraîchissant, on va dire, pour le milieu. C'est-à-dire, on est tous en ébullition, on cherche tous des belles idées, des nouvelles idées originales pour répondre à cette demande. Hier, vous me disiez au téléphone, c'est dingue, la France a toujours 10 ans de retard sur tout. Et vous preniez l'exemple du surf, du skateboard. Vous preniez l'exemple du skateboard. Ouais, ça m'avait et marqué. En quoi la France était en retard sur les séries? Quand vous regardez en arrière, les grandes séries, même à épisodes bouclés comme Urgence, ça date. Et avant que nous, on soit montés à bord de ce train-là, il s'est passé pas mal de temps. Et c'est encore plus vrai pour le pur feuilletonnant, qui a quand même, pour ainsi dire, je ne vais pas dire inventé, parce qu'il y avait du feuilletonnant sur des chaînes françaises dans le passé, mais plus depuis pas mal de temps. Et avant que nous, on s'y remette et qu'on ait envie de se lancer dans des 6, 8, voire 10, 12 fois 52, ça a pris du temps et je n'ai pas d'exemple concret en tête, mais il y a pour moi toujours ces 10 années de retard qu'on a souvent sur les inventions qui viennent d'outre-mer. Moi, je voudrais juste intervenir là-dessus. On a peut-être eu 10 années de retard, mais on avait un autre problème, on avait que les séries qui étaient à l'antenne marchaient. Donc, à partir du moment où ça séduisait beaucoup de téléspectateurs, il n'y avait aucune raison qu'on se remette en question. Je ne défends pas ma paroisse, mais c'est vrai que pendant des années, et sur TF1, il y avait du Navarro, il y avait du Julie Lescaut, etc. Et donc on se disait, pourquoi on va changer une recette qui marche? Je te laisse parler, Iris. Non, mais je ne jette pas la pierre. C'est un constat. Je regarde qu'il y a beaucoup d'inventions qui sont faites aux États-Unis. Et je prenais l'exemple, quand on se parlait au téléphone, du skateboard. Ça m'avait marqué. Ça a mis pile 10 ans pour arriver, comme le surf. Et c'est pareil pour les séries télé, je pense. Mais vous... En plus, il y avait une qualité française à ces séries, il me semble. Il y a eu une façon de faire qui était aussi dépassée, il me semble, dans ce que vous me disiez hier. Vous me disiez hier, jusqu'ici, les séries françaises, pour caricaturer, mais c'est marrant parce que Eric Benzekri m'a dit exactement le même mot, étaient avec des personnages en noir et blanc. C'était ou blanc, ou tout blanc, ou tout noir. Ça manquait souvent de complexité. Alors, tu citais Navarro, qui est un succès absolument... phénoménal et qui était le bon personnage pour cette période-là, mais c'est pas un personnage très complexe. Cette complexité est venue plus tard. Et aujourd'hui, les séries qui intéressent le public mettent en lumière des personnes, oui, des personnages qui ne sont ni noirs ni blancs, mais qui sont dans une zone grise quelque part. Il a fallu qu'on soit attaqué et on a été très fortement attaqué par la télé-réalité avec des personnages qui n'étaient justement pas blancs et pas noirs, qui étaient c'était des vrais gens qui ressemblaient, moi je date le renouvellement de la fiction à l'arrivée de la télé-réalité qui chaque soir rassemblait quand même un maximum de téléspectateurs. Alexandre Laurent, vous, comment vous êtes arrivé à la fiction, à quel moment justement vous avez grandi avec toutes ces
fiction française traditionnelle? Moi, je suis arrivé à la fiction en étant assistant réalisateur et j'étais pas trop très série. Je suis plutôt arrivé dans la fabrication des films par le cinéma. J'ai jamais trop regardé Commissaire Navarro et Commissaire Moulin. J'ai commencé à réaliser au bout de 10 ans d'assistanat. Je me suis passionné à la série peut-être après parce que je la trouve plus qualitative. J'ai l'impression que toutes ces plateformes qui arrivent, moi, ça met la qualité, enfin, le niveau de série un peu plus haut, qu'il faut qu'on se raccroche à ce niveau de série. De mon point de vue, en fait, voilà ce que ça amène. Niveau plus haut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait de bas jusqu'à présent, alors bah, jusque-là. Alors, on va dire plus haut dans le renouvellement, c'est-à-dire qu'il y a plus de concepts dans des séries américaines. On peut voir du Breaking Bad, on peut voir du Handmaid's Tale. Enfin, moi, dans ce que j'ai aimé, qu'il y avait une force de proposition sur des sujets qui étaient plus nombreux, et que du coup, même en termes visuels, le fait de devoir raconter l'histoire différemment, avec de différents moyens, avec un découpage un peu plus façon cinéma, plus singulier. Et c'est vrai que pendant longtemps, on ne s'est pas trop remis en question, je trouve, dans la façon dont on racontait les histoires. Enfin, en tout cas, moi, c'est des histoires que je ne suivais pas. Voilà. Et on a l'impression, par exemple, esthétiquement, c'était toujours éclairé complètement pour que le téléspectateur, on ne le perde pas. Tout à fait. Il y avait Le bazar de la charité, le premier épisode m'a surpris. Parce que ce n'était pas Game of Thrones épisode 3 ou 4 qui se passait entièrement dans la nuit, mais c'était quand même pendant 20 minutes, on était à l'intérieur d'un incendie très très sombre. Et je me dis, waouh, 20h30 TF1, c'est assez gonflé. Oui, ça je ne sais pas, enfin, c'était l'histoire qu'on devait raconter, ça se passait de nuit. Enfin, on a décidé de la faire de nuit parce qu'on trouvait, je trouvais que ça aurait été plus spectaculaire d'avoir du feu la nuit que de jour. Ça amenait plus de. Enfin, dans l'image, moi ça me séduisait un petit peu plus. Après, Iris, tout à l'heure, vous parliez d'images qui étaient toujours un peu trop éclairées à une certaine époque. Et tu disais qu'on était un petit peu en retard. Urgence, moi j'étais assistant réalisateur, Urgence se tournait déjà en 35 mm, et nous on était en Super 16, voire en bêta numérique, on trouvait ça révolutionnaire. C'est pas une histoire de lumière, c'est que c'était une image toute nette partout, et qu'il a fallu attendre les caméras digitales avec des capteurs numériques 35, qui se rapprochent d'un esthétisme de cinéma et de série américaine, qui fait qu'aujourd'hui, visuellement, on peut se rapprocher déjà, ne serait-ce que par l'outil, à une image outre-Atlantique. Alors Fabrice de la Patellière, vous êtes un cas un petit peu à part dans cet univers-là, parce que les séries un peu à l'américaine, vous en fabriquez, si je peux me permettre, depuis un peu plus longtemps que les autres. Avant de vous donner la parole, on regarde juste la bande-annonce que vous avez apportée des prochaines séries créations originales de Canal+. Alors vous avez fait une annonce, Canal+, lors de la conférence de presse de la rentrée, étonnante, en tout cas impressionnante, puisque vous avez annoncé que vous alliez doubler le nombre de séries que vous produisiez cette année,
Pourquoi doubler le nombre de séries ? On double pas on double pas le nombre de séries. On passe de, on avait 7 séries par an, on va passer à 10. Donc c'est significatif comme augmentation de volume. On le fait parce que depuis plusieurs années, la fiction est devenue un motif d'abonnement fort sur Canal+. Évidemment, Canal, ça reste la chaîne du sport et du foot, la chaîne du cinéma. Mais aujourd'hui, le nombre de personnes qui s'abonnent pour les séries grandit chaque année. Et donc, on avait envie de faire en sorte que cette offre soit la plus large possible, donc avec des séries très différentes, des séries françaises, des coproductions internationales, du drama, de la comédie. Et pour augmenter cette offre, il fallait augmenter le volume. Alors, je disais que vous étiez un peu précurseur. Comment elle est née, cette unité fiction, en 2002 ? C'est vrai qu'on a vu le Bureau des légendes arriver, on a vu des séries qu'on ne voyait pas ailleurs. C'était quoi le positionnement Canal+ à cette époque-là ? Alors, ce n'était pas de faire des séries américaines. Je vous ai entendu parler de séries américaines. Non, on voulait faire des séries françaises, en fait. Pardon, séries françaises. Après, on s'est inspiré de l'écriture, peut-être américaine ou anglo-saxonne, mais on est très soucieux de faire des séries françaises ou des séries européennes quand on fait la copro internationale. Bon, alors, 2002, ça date un peu, parce que je vois l'Assemblée. Il y a pas mal de gens qui étaient très petits en 2002 qui ne regardaient pas la télé à cette époque-là. C'est l'époque de Navarro, c'est pour ça que je dis 2002. Oui, alors à l'époque de Navarro, Canal+ faisait des fictions Anne, différentes. Ce que disait Anne est très juste. C'était une époque où des modèles qui étaient nés dans les années 90 connaissaient toujours le succès. C'était un petit peu la fin, mais c'était encore les grands succès de la télé. Mais nous, comme nous étions une chaîne à part, le modèle économique de Canal est particulier. C'est une chaîne payante. Donc on a réfléchi comme une chaîne payante en se disant... les gens sont en droit d'attendre une fiction différente de ce qu'ils peuvent voir sur les chaînes gratuites, de ce qu'ils regardent d'ailleurs sur les chaînes gratuites. Les abonnés de Canal sont les gens comme les autres, donc ils regardent les séries de France Télé ou de TF1, mais quand ils vont sur Canal, ils attendent quelque chose d'un peu différent, ce qui est normal. Donc on a pris un peu le contre-pied de la fiction qui existait à ce moment-là, mais ça c'était il y a 15 ans maintenant. Aujourd'hui, la problématique n'est plus la même, et puis l'arrivée des plateformes a changé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on a voulu faire uniquement du 52 minutes, alors qu'il y avait encore beaucoup de 90 minutes, des séries feuilletonnantes, comme Iris disait, alors que c'était encore des séries bouclées. Et puis surtout, on voulait que les personnages, les héros des séries de Canal, si on les mettait côte à côte, enfin les uns à côté des autres, ne ressemblent pas aux héros des télévisions gratuites. Il y avait les policiers d'Engrenage et des policiers mélancoliques, il y avait les truands de Corse, de Mafiosa, il y avait des journalistes. Il y avait les prostituées de Maison Close, les flics de Braco. Aujourd'hui, c'est les agents secrets du Bureau des légendes. Donc, c'est une. Voilà, on essaie de se distinguer. Un des objets du débat, c'était en quoi une série permet de se distinguer. On a tous, chaque chaîne, a son public, ses objectifs, sa ligne éditoriale et son esthétique. Et nous, on essaie de trouver la nôtre. Aujourd'hui, c'est plus contre d'autres chaînes, d'ailleurs. C'est plutôt une réaction positive en essayant de proposer des choses originales. Alors original, ça veut dire soit des univers qui sont peu traités par les autres chaînes, les services secrets, il n'y a pas beaucoup de séries françaises dans l'univers des services secrets, soit quand on fait une série médicale comme Hippocrate, essayer avec le traitement, donc l'écriture, la mise en scène, la production, faire une proposition très originale qui se démarque des autres séries françaises. Éric Benzekri, vous qui êtes à l'initiative de Baron Noir, donc cette série depuis 2016 avec Jean-Baptiste Delafont, ils ont été faciles à convaincre, Canal+, lorsque vous êtes allé les voir ? Oui. En fait, la réponse est assez simple. Oui, ils ont été assez simples à convaincre parce que ils étaient assez désireux, je crois, je parle un peu à ta place, mais de faire une série dans l'univers de la politique. Après, par contre, ça a duré très longtemps pour qu'on trouve le bon axe et le bon angle de développement de la série, parce que la politique, si vous demandez à 10 personnes si ça les intéresse, il y en a sans doute entre 6 et 7 qui disent oui, mais si on leur pose une deuxième question à ces 7 personnes, pourquoi ? Ils vous disent... parce que c'est dégoûtant. Voilà. Et donc, ça les intéresse de voir des gens dégoûtants. Voilà. Donc, c'est difficile de parler d'un sujet en se disant les gens vont détester les gens qu'on va montrer à l'image. Or, non. Donc, c'est tout ce travail dont tu parlais, Iris, tout à l'heure, de blanc et noir, c'est-à-dire d'avoir des personnages qui soient à la fois fascinants parce qu'ils sont méchants
et attachant parce qu'on sont des êtres humains. Quelle est la caractéristique principale d'un être humain ? C'est qu'il fait des erreurs. Quelle est la caractéristique principale de tous les êtres humains ? C'est que pour avancer, il faut faire des erreurs. Voilà. Donc le milieu politique est un milieu truffé de gens qui font des erreurs. Voilà. Et qui essayent de se racheter, et qui, d'élection en élection, essayent de montrer qu'ils se sont améliorés par rapport à la dernière. Je reconnais que pour l'instant, ça ne marche pas trop, mais dans la série, il arrive que ça fonctionne, et heureusement, sinon personne ne regarderait. Voilà. Vos inspirations, c'était quoi ? C'était à la Maison Blanche ? C'était les séries américaines ? Les Sopranos. Pour être très honnête, le pitch de départ, celui avec lequel nous sommes allés voir Fabrice, c'était qu'on voulait faire les Sopranos à la Maison Blanche. Voilà. C'est-à-dire dans le milieu politique, Maison Blanche, mais qu'on voulait suivre une famille à la manière d'une famille mafieuse, parce que dans les camps politiques, il y a tout ce qu'on retrouve dans les codes de la mafia, c'est-à-dire la trahison, l'émancipation parfois, la rédemption rarement, mais ça arrive, chez Coppola des fois. Donc voilà, on essayait de structurer la série autour de ça, autour de ce clair-obscur. Et surtout, je crois qu'on a essayé d'écrire avec une caractéristique particulière dans cette série, qui est le rythme, voilà, qui est extrêmement tendu et rapide. Et donc qui nous a obligés à aller à l'essentiel dans chaque scène du message. Tout en restant fidèle à la complexité du sujet qu'on traitait. Voilà. Donc du rythme à l'américaine pour le coup, oui. Alors on va terminer ce premier tour de table avec la directrice de la fiction de France Télévisions, et vous êtes venue avec une bande-annonce, vous allez nous expliquer pourquoi, celle-ci. La dernière chose dont je me rappelle, c'est ce nuage qui s'est abattu sur nous. Puis après, plus rien. Regarde ses yeux. Ils ont changé de couleur. Encore dans le mille ! T'as pas tes lunettes, Thomas ? Je vais beaucoup mieux ça maintenant. Tes cicatrices. Comment c'est possible, ça ? Depuis qu'on a disparu en mer avec les autres, c'est comme si je pouvais soigner les gens avec mes mains. Qu'est-ce que t'as fait ? Le nuage se modifie constamment. Un peu comme si c'était un organisme vivant. Cette pollution, ça peut avoir un lien avec le nuage ? Vous avez continué sans scrupule à défigurer la côte et à sécher tous les marais. Mon fils et les autres ont été choisis. Ils sont comme les messagers de la nature. Si on ferme ce chantier, c'est une catastrophe. Mais Julien, la catastrophe, elle est là, sous tes yeux ! La friture, le nuage, vous voyez ce qui se passe ici ? Et donc, diffusion très bientôt. Pourquoi vous êtes venu avec cette bande-annonce, Anne Holmes ? Vous qui dirigez voilà. Toutes les fictions françaises de France Télévisions, France 2, France 3. Je suis venue avec cette bande-annonce pour deux raisons. La première, c'est que l'image de la fiction de France Télévisions a une image quand même assez poussiéreuse et ringarde. Et depuis pas mal de temps, on essaye d'accomplir un travail pour pénétrer dans des univers, avoir des nouveaux modes de narration et de dépoussiérer un petit peu cette fiction. Et la deuxième raison, c'est que Delphine Arnott avait lancé une consultation citoyen, où donc les gens pouvaient répondre en ligne sur qu'est-ce qu'ils attendaient du service public, d'une télévision publique, qu'est-ce qui leur manquait. Et la première réponse qu'on a eue, et c'était bien parce que c'était déjà en tournage, c'était « Il nous manque beaucoup d'audace, d'originalité, et notamment, pourquoi on parle jamais, pourquoi il n'y a pas de série fantastique en France ou de série d'anticipation ?» Ils étaient juste sur le service public. Hein.
Donc nous, on pensait avoir fait le boulot de modernité en lançant des 10% ou des personnages comme ça un peu. Et on s'est rendu compte qu'il y avait encore cette image-là. Donc là, on a notre première série d'anticipation qui est en plus sur une thématique aujourd'hui qui est très forte, qui est l'environnement. Qu'est-ce qu'on a fait à la planète, etc. Et c'était pour aussi dire, voilà, nous aussi, on peut coller à l'actualité. Nous aussi, on peut prendre des risques. Nous aussi, on peut diffuser une série où il n'y a pas de meurtre. Clairement, qu'est-ce que l'arrivée des plateformes a changé pour France Télévisions Anne Holmes? Je crois que Delphine Ernotte, quand elle est arrivée, elle a décrété un plan fiction. Elle a dit qu'il faut qu'en 2020, il se passe un certain nombre de choses. Et c'est vrai que France Télévisions avait à l'époque une image de producteur de fiction de polar uniquement. Par quoi il fallait commencer pour changer un peu cette image que vous dites vous-même poussiéreuse? Il fallait commencer par prendre des risques, ce qui est, quand tu es dans une chaîne de télévision, quelque chose de difficile. Parce que, effectivement, on a quand même un devoir de rassembler le plus grand nombre de téléspectateurs. Donc, prendre un risque, ça veut dire prendre le risque de ne pas les rassembler et de se tromper. Mais les risques ont été payants. À chaque fois qu'on se soit attelé au milieu de la musique avec Philharmonia, dans des univers difficiles comme l'hôpital psychiatrique avec À l'intérieur, etc. À chaque fois, les risques ont payé, même 10%, qui était, je me souviens à l'époque, tout le monde disait « Oui, les agences, ça n'intéresse personne dans la France, etc. » Donc les risques ont payé. Donc plus le risque rassemble et séduit, plus finalement... on se dit que c'est prendre des risques que d'en prendre aucun. Donc finalement, on a été. Après, c'est vrai que l'arrivée des 52 minutes ont fait que les modes de narration ont changé beaucoup et que vraiment les scénaristes maintenant travaillent vraiment, je ne sais pas pour Barre Noire, mais qui travaillent à nombreux quand même. C'est rare qu'il n'y ait qu'un scénariste sur une série, en tous les cas chez nous. Et donc ça a été plus rapide aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça mettait très très longtemps à accoucher une série. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de quoi pour continuer à dépoussiérer cette image? Je lisais dans une interview que vous disiez « Je suis à la recherche du prochain Clara Scheller », qui date quand même, effectivement. C'est quoi ce genre de série que vous aimeriez... c'est quoi les séries que doivent... arriver à être en compétition avec les plateformes audiovisuelles et avec Netflix, quel doit être le positionnement des chaînes de la télévision publique en termes de séries? Mais juste, nous, on se sent pas, enfin, moi, je me sens pas en compétition avec les plateformes. C'est un autre mode de consommation, c'est une autre narration, c'est pas les mêmes niches. Je me sens pas. Je pense qu'on peut très très bien regarder une série de France Télévisions et en même temps adorer une série de plateformes. Il a eu peur. Donc voilà. Et quand je parlais de nouveau Claire Charles, c'est que je pensais qu'il y avait eu des tournants à France Télévisions, hein, parce que les autres chaînes en ont fait aussi. Il y a eu des tournants. C'est vrai qu'il y a eu l'avant Clara Scheller et l'après Clara Scheller. Ce que je voulais dire par là, c'était comment on parle des jeunes d'une façon moderne et sincère aujourd'hui. Comment on peut continuer à être le reflet de la société? Et c'est un peu notre rôle d'être le reflet de la société et de décrypter les problèmes et de pouvoir susciter le débat et l'engagement après. J'espère que votre micro marche. Je vais un peu élargir à tout le monde les termes des thématiques. On a l'impression que quand on regarde des séries sur Netflix, c'est toujours destiné à des ados. Il y a toujours une scène de sexe quelque part, etc. On a l'impression que ces plateformes ont dépoussiéré vraiment, en plus de tout ce que présentent des chaînes américaines comme HBO, les fictions. Qu'est-ce qu'il faut faire, nous, en France, pour arriver à toucher notre public avec des fictions qui vont les intéresser autant? Iris Boucher. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Ce qui compte avant tout, c'est l'empathie qu'on éprouve pour un personnage, que ce soit dans une série d'anticipation, en costume, ce qu'on a fait avec Alex, ou contemporaine. C'est ce que d'ailleurs les Américains, plateforme ou pas, ont souvent merveilleusement réussi avec des personnages extrêmement noirs. Quand je pense à Breaking Bad, dont tu parlais aussi, c'est un personnage où on a surblindé toutes les raisons qui font qu'on est en empathie avec lui. Il a un cancer, sa femme est enceinte et son fils est handicapé.
Donc derrière, si vous avez tout ça sur les épaules, vous avez le droit de faire de la drogue et de devenir un très très gros méchant. On vous pardonne. Donc cette empathie-là, elle est primordiale. Et les séries qu'il y a sur Netflix, qui parfois sont effectivement avec un pas de côté, sont toujours régies par ça, avant tout. Moi, j'en connais pas une où on n'éprouve pas cette fameuse empathie pour le personnage principal qui nous fait adhérer, rester et vouloir connaître la suite, qu'est-ce qui va lui arriver. Donc, après, j'ai pas trop envie de réfléchir plateforme par plateforme. C'est faisant une bonne série, les gens après la consomment de façon différente. Le fameux binge-watching, c'est-à-dire on peut en regarder 6 d'affilée parce que ça nous fait plaisir. Mais là, j'ai regardé une série qui s'appelle Criminal sur Netflix, qui pourrait très bien être sur Canal. Enfin, je pense, c'est plutôt à Fabrice de répondre, mais elle est particulière, elle est très qualitative. Voilà. Le bazar de la charité, comment c'est arrivé et pourquoi vous êtes allé voir TF1 quand vous avez eu cette idée de série? C'est pourquoi arrivé... Pourquoi vous n'êtes pas allé voir France Télévisions, par exemple? Ou même Canal+, d'ailleurs. Alors, Canal+, j'ai la réponse. C'est trop mainstream. Tu m'aurais dit ça. Je suis sûre. C'est d'ailleurs, de façon complètement assumée et volontariste, une série grand public et pas une série de chaînes payantes. Pourquoi je suis allée voir TF1? Peut-être, je pense, tout simplement pour des raisons de budget. Parce que je pensais que j'aurais moins de mal à trouver le budget nécessaire du côté de TF1 plutôt que du côté de France Télévisions. On te l'a proposé au moment où sortait Élise aussi. Il y avait peut-être une sorte d'effusion. Absolument, oui. Il y avait eu la diffusion du secret d'Élise qui nous a ouvert beaucoup de portes, notamment une qui était encore très fermée, qui était le drama en costume. Et du coup, on a été, parce qu'on savait tout de suite qu'on allait le faire ensemble, le bazar, on a été entendu sur un projet qui, a priori, ne correspondait pas à la ligne éditoriale de TF1. Elle a raison, on n'aurait pas pu financer le bazar. Vous êtes ironique, hein? C'est une histoire d'argent, là, pour le coup. Non, mais elle a raison. Mais c'est une série, quand vous la regardez, qui aurait pu être une produite pour une chaîne comme France Télévisions, France 2 ou France 3. Oui, c'est ça que vous dites, mais elle n'aurait pas été aussi jolie. Enfin, là, moi, j'ai vu que la bande-annonce, puisque je me réserve le droit de le regarder avec le public le jour de la diffusion. Les chiffres sont dans les journaux. Je sais combien coûte un épisode du bazar. Nous, on n'aurait pas pu suivre. D'accord. Et quand vous avez produit cette série, vous avez fait attention à ce que ça ressemble. Moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai vu la série, c'est que c'était pas filmé caméra à l'épaule, mais c'était quand même quelque chose qui sentait plus, qui était plus vif, plus réaliste aujourd'hui que des séries d'époque qu'on avait, qu'on a l'habitude de voir généralement sur les chaînes de télévision. Il y a de l'épaule, il y a tout en fait. Enfin, je pense qu'une histoire, elle se raconte avec plein d'outils. Il y a des caméras fixes, il y a des steadicam, il y a. En tout cas, le grand mot d'ordre a été modernité, dépoussiérer le genre, avoir quelque chose de très vivant, de péchu, de rythmé. Moi, je voulais pouvoir le faire comme si c'était un film contemporain. J'aurais été très frustré de me dire, comme c'est un film d'époque, il faut que les plans soient fixes, parce qu'on ne peut pas montrer 50 cm à gauche. J'adore suivre les acteurs dans le dos, à l'épaule, ou au stead, ou parfois des plans fixes, parce que ça leur racontait des plans fixes, et je voulais surtout pas que l'époque soit un obstacle au mode de narration que je pouvais choisir pour raconter cette histoire. Est-ce que les chaînes de télé, du coup, sont ouvertes à ce genre d'audace, entre guillemets, aujourd'hui? Est-ce que, du coup, ces nouveautés qui viennent des plateformes font que les chaînes sont plus audacieuses? Je demande ça aussi à Fabrice de la Patelière. Moi, je dirais clairement oui. Par rapport à l'esthétique. L'arrivée des plateformes, évidemment, on ne peut pas ignorer l'arrivée des plateformes, qui est un phénomène énorme, et Netflix en particulier. Qui nous a forcé tous à nous remettre en question et à nous adapter. Après, il faut aussi inscrire cette arrivée des plateformes dans un mouvement plus vaste qui est aussi le phénomène série, qui est un phénomène culturel, populaire, mondial depuis maintenant 20 ans, où on voit le nombre des séries augmenter chaque année, et la série est devenue un objet culturel assez unique. Je ne dirais pas qu'il remplace le cinéma du tout, parce qu'il n'y a pas de compétition, mais le fait est qu'aujourd'hui, quand on discute
ensemble le matin, autour d'un verre, etc. Les gens parlent plus volontiers des séries et se définissent à travers les séries qu'ils regardent, presque plus qu'à travers les romans ou le cinéma. Donc c'est vraiment, quand on travaille dans ce monde des séries, à l'heure actuelle, ce qui est assez grisant, c'est qu'on sent qu'on est à un moment où la série devient un endroit d'expression culturelle assez génial. Et l'arrivée des plateformes, alors c'est Internet, hein, c'est pas, mais l'arrivée des plateformes joue et surfe là-dessus parce que c'est devenu cet objet culturel. Les plateformes proposent des séries, de plus en plus de séries. Et on est dans un monde où, et c'est là la difficulté pour nous, pour une chaîne comme Canal, dans un monde où l'offre de séries est pléthorique. Et même quand on aime ça, on n'a même plus le temps de regarder toutes les séries qu'on aimerait regarder. Donc quand on fait des séries, qu'on soit producteur ou diffuseur, l'important, c'est de pouvoir susciter l'envie et le désir, et c'est de plus en plus difficile. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire que ce qui a surtout changé l'arrivée de Netflix, et on peut considérer que c'est bien, c'est que ça nous force à être à la fois plus efficace, plus exigeant et plus fort dans notre proposition, parce que si c'est une petite proposition un peu molle, et ben les gens ne viendront pas, parce qu'ils ont 36 000 choses à regarder. Donc nous, ça nous a fait changer. Alors non pas, ça remet pas en question notre veine éditoriale, dans la mesure où on va pas essayer de concurrencer un géant comme Netflix qui a des moyens démesurés par rapport aux nôtres et un volume énorme, donc ils nous noient sous leur puissance d'une certaine manière. Donc ce qu'on peut jouer, c'est notre particularité à la fois de diffuseur français et continuer à être à la fois français, très européen, de notre sensibilité. On fait par exemple une adaptation de La Guerre des Mondes. Je pense qu'il y a une adaptation intéressante parce qu'elle est sur un genre qui est la SF, une histoire d'invasion d'extraterrestres, qui est un genre que les Américains font très très bien. On l'a pris de manière très différente, un peu comme on l'avait fait avec Les Revenants, de manière très intimiste, plus européenne en fait. Donc nous, on essaie de se démarquer éditorialement comme ça, en étant différent, en proposant des choses différentes. Nos abonnés regardent les séries Netflix, mais ils peuvent aussi regarder les nôtres parce que c'est un peu différent. Et puis après, on essaie d'être le plus exigeant possible. Et dans les pratiques, je terminerai juste là-dessus, ça nous a aussi forcé à être beaucoup plus rapide. Avec Netflix vient la culture américaine, où ils sont à la fois très agressifs. Quand Netflix est arrivé en France, ils sont allés draguer tous les auteurs qui travaillaient pour Canal, tous les producteurs qui travaillaient pour Canal, en essayant de les faire venir, parfois en y arrivant. Donc ça nous a demandé, ça nous a obligés à réagir. Et puis ils sont rapides, hein, à l'américaine, ils sont très rapides dans leur façon de... Ils reçoivent des producteurs, ils reçoivent une proposition, ils disent oui très vite ou non très vite. Donc ça nous a forcés à changer. Donc ça, on peut dire que c'est un bien. Mais je pense que le débat autour des plateformes est intéressant, mais il faut le mettre en perspective. On est dans un monde aujourd'hui où, en fait, la série, c'est presque le produit culturel le plus attractif, le plus fort. On voit que même des grands auteurs aujourd'hui choisissent la série pour s'exprimer parce qu'elle offre un terrain que n'offre même pas le cinéma, que j'adore, hein. Il ne s'agit pas de se mettre en concurrence avec le cinéma, mais quand on propose à un auteur d'écrire des personnages et pouvoir les développer sur... 10 épisodes et 3 saisons, il peut évidemment faire autre chose qu'un film. Donc, voilà, je disais ça parce que, effectivement, ramener le débat à Netflix, c'est important, mais il faut le mettre en perspective. Mais concrètement, Anne Holmes, Iris Boucher et Fabrice de la Patellière, vous recevez plus de propositions de séries, plus de scripts depuis quelque temps. Et de quoi parlent les auteurs? De quoi ont envie de parler les auteurs aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont audacieux, les auteurs? On en reçoit moins parce que les gens travaillent pour Netflix beaucoup. Donc, c'est aussi une des choses qui changent. Ils ne produisent pas tant que ça, quand même. En France, maintenant, ils se mettent à produire. L'année prochaine, ils vont produire autant que nous. Le fait de faire 10 séries, c'est aussi une manière de ne pas se faire complètement battre par Netflix qui annonce 10 séries françaises l'année prochaine. Moi, j'avais lu l'interview d'un réalisateur, je ne sais plus lequel, qui disait « C'est formidable, quand je vais voir Amazon pour leur proposer une série française, ils me disent... Bon, mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas trop formaté, que vous n'allez pas trop sage? On a l'impression que voilà, les auteurs ont peut-être envie de plus d'audace. Est-ce que vous ressentez ça dans les propositions qu'on vous fait à Nolmes? Alors, pas du tout. On a de plus en plus de propositions. Mais alors, nous, c'est quand même assez différent parce qu'en plus, on reçoit ce que Canal n'a pas voulu, ce que TF1 n'a pas voulu. Donc, en plus, nous... Vous avez une si mauvaise image que ça. Vous êtes le dernier comptoir qu'on va pas voir. Pas du tout. On a plein de gens qui développent que pour France Télévisions. Mais en plus, on a ça. Parce que là, j'ai fait le bilan. Je suis à 292 propositions sur l'année et on n'est qu'en octobre.
Donc, c'est des séries ou c'est des fictions? Non, des séries. Des séries de 52 minutes. Ouais. Hein. Et il y a une tendance, on peut un petit peu savoir de quoi ont envie de parler les auteurs aujourd'hui? Ça bouge de mois en mois, j'ai presque l'impression. Selon ce qu'ils ont vu sur une plateforme, en se disant, tiens, c'est pas mal. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de policiers, ça c'est vrai. Bon, en même temps, on a deux cases de polar, donc c'est normal. On a beaucoup de mini-séries. Et effectivement, sur des univers particuliers, l'opéra, l'hôpital, enfin sur des... Tiens, on n'a jamais traité de ça. Le prêt-à-porter, la cuisine, là où on n'a jamais été, en fait, sur les terrains où on n'a pas été. Donc, et je trouve que ça manque pas d'audace. Mais il y a des axes, comme dirait Eric Benzekri, intéressants dans ces scénarios, ou c'est juste des univers qui sont posés? Non, dans chaque proposition, il y a quand même un axe et une idée. Voilà, après, ça s'inscrit dans une ligne éditoriale, dans un cadre, dans qu'est-ce qu'on a déjà, etc. C'est pas si simple. Mais on a quand même... il y a des propositions qui sont très, très bonnes et on fait... Je dis ça, mais parce que quand on voit les séries d'Arte, par exemple, on est très impressionné. Ils vont dans des univers d'anticipation, la série Mytho, là, qu'on voit actuellement par l'auteur des Revenants. Et on se dit, mais pourquoi il n'y a pas cette audace-là sur les séries de France Télévisions? Pourquoi, par exemple, on n'a toujours pas une série sur la guerre d'Algérie? Est-ce que c'est tabou, ce genre de thème? Il y en a eu quand même beaucoup, des séries sur la guerre d'Algérie. Il y a eu L'Adieu en 6 fois 52 minutes. Voilà. Parce qu'on ne nous le propose pas. Et en plus, le costume, pour le coup, moi, je m'occupe que des séries nationales, mais le costume est traité à l'international, dans la fiction des coproductions internationales. Parce que, comme on le sait, le costume, ça coûte cher. Et donc, ils préfèrent faire des alliances avec d'autres pays. Donc on ne propose pas beaucoup de séries en costume, effectivement. Moi, je reçois beaucoup de projets en costume. Ça, c'est l'effet bazar. Donc maintenant, les auteurs qui ont un projet 19e, 18e siècle, ça arrive assez fréquemment chez moi. Et Victor Hugo? Oui, Victor Hugo aussi, tout à fait. Victor Hugo, vous avez produit la série l'année dernière, ouais. 52 pour France 2. Oui. Ah. Tout à fait. Mais vous voyez sinon des évolutions des thématiques dans les projets qu'on vous envoie, Iris? Très varié, science-fiction, anticipation, environnement, de plus en plus. Des plutôt jeunes auteurs, d'ailleurs, qui sont vraiment influencés par l'actualité, tout simplement. Moins de polar que toi, moins de policiers classiques, presque plus de héros récurrents. Je ne reçois quasiment que du feuilletonnant, des mini-séries de 6 ou 8 épisodes. Et puis, ça me fait plaisir, pas mal de propositions avec des héroïnes, des personnages de femmes fortes, parce que les gens qui s'intéressent à ce que je fais se rendent compte que c'est un peu le cœur de mes productions. Enfin, j'ai assez à cœur de faire ça, de mettre en avant des personnages de femmes fortes. Je voulais aussi parler, vous parliez de déstructuration du récit. C'est certainement venu de l'Amérique, cette façon de raconter de façon pas toujours linéaire des histoires. C'est compliqué d'écrire un épisode. Vous disiez tout à l'heure que le Baron Noir, c'est très serré. C'est compliqué pour arriver... Je crois qu'il y a deux séries avec des showrunners en France. Hein. C'est le Bureau des Légendes et Baron Noir, je me trompe. Je crois que c'est ces deux-là. 10%, je pense, aussi. Pardon ? 10%. 10% oui. Avec Fanny Herrero, tout à fait. Oui ? Elle était showrunner. Elle était showrunner, oui, c'est ça. Comment on procède pour arriver à cette densité et faire en sorte que, justement, on attrape le téléspectateur? Et c'est parfois par ça que la série fiction pêche en France, c'est-à-dire que c'est, à la limite, entre guillemets, trop linéaire. Bon, d'abord, il faut dire quand même un peu la vérité, il y a de la chance. Comment savoir à l'avance si une bonne idée va rencontrer l'adhésion du public? Franchement, on ne peut pas le savoir. Il y a des petits joyaux qui sont vus par très peu de monde, qui sont filmés avec un talent incroyable, où il y a une narration folle. Moi, je regarde principalement les séries de HBO, précisément parce qu'elles sont très belles et parce qu'ils savent les fabriquer, ils savent les écrire depuis très longtemps. Et ils n'en font pas 15 000 par an, des séries, en fait. Donc il y a un savoir-faire, ils donnent le pouvoir quand même à leurs auteurs et à leurs réalisateurs qui travaillent
vraiment de façon extrêmement imbriquée. Et je pense ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Vous je pouvez pour ça, c'est essentiel. Bien sûr. Imbriqué, ça veut dire qu'il va sur le tournage. C'est-à-dire que si on travaillait ensemble, il n'y aurait pas une scène qui découperait sans venir me voir. Mais et c'est ce que j'ai fait sur le bazar. Et voilà. On a longtemps, j'ai demandé à Iris que Karine Skoronski, l'une des auteurs, j'ai écorché son nom, pardon, puisse continuer longtemps avec nous et avec moi pendant la préparation, parce qu'on n'était pas prêts en écriture. Et on l'a terminé main dans la main. Et voilà. Ça a été essentiel. Et on a démarré un nouveau projet hier avec deux auteurs. Et toute première réunion, Alex était déjà bien là. Bien sûr. Donc, et l'autre. Alors, non, ça, c'est une fois que la série est bonne. Après, il faut la fabriquer et il faut la rendre super. Mais elle doit d'abord être bonne à l'écriture. Et il ne faut pas mentir, c'est un enfer. C'est très long, quoi. On ne peut pas produire une série, en tout cas, sa première saison. Et particulièrement dans une première saison, son pilote, ça se fait pas en 3 mois. Voilà. C'est très long d'arriver à construire ça. Au festival Série à Fontainebleau, où il était dit que le budget, vous allez me dire si c'est vrai, vous savez, le budget du scénario dans une série américaine, c'est 10%. 10% du budget d'une série aux États-Unis va au scénario, et en France, c'est 3%. Est-ce que c'est vrai ce... Non, c'est 5%. Donc c'est beaucoup moins. On dépense beaucoup moins dans une série française pour le scénario que les Américains le font. Non, ça j'y crois pas. 10% pour le scénario pour une série américaine, j'y crois pas. Non, je sais pas d'où vient ce chiffre, mais ça me paraît excessif. Il y a aussi le problème du copyright et des droits SACD. Oui, il semblerait logique que les auteurs américains soient mieux payés puisque ils le sont, c'est un puisque nous la majorité de l'argent vient de la diffusion. Enfin, c'est pas, c'est parce qu'il parle de la patelière pour arriver à chaque fois que ce soit Hippocrate, le Bureau des légendes, à avoir des scénarios qui quel est votre secret? Je sais pas, je pose la question de façon benoîte. On essaie de repérer les bons auteurs et de Eric parlait du temps et c'est vrai que c'est un luxe qu'on continue de s'offrir sur Canal, même si ça devient de plus en plus difficile de prendre trop de temps, enfin qu'on ne peut plus prendre trop de temps pour écrire, mais néanmoins on est très attentif au temps accordé aux auteurs pour à la fois aboutir leur proposition initiale. C'est vrai que quand Eric et Jean-Baptiste sont venus sur Le Baron Noir, ils avaient une idée relativement précise de la série qu'ils voulaient faire, mais néanmoins vous avez passé plusieurs mois presque à achiner cette proposition autour du personnage du Baron Noir, etc., et ensuite à prendre du temps pour écrire version après version les meilleurs scénarios possibles. C'est jamais parfait. On se dit toujours qu'il y a des erreurs qu'on commet toujours des erreurs qu'on regrette par la suite, mais néanmoins, ce temps est précieux. Et puis l'expérience qu'on a acquise aussi, même si on n'a évidemment pas la martingale du scénario, qui reste un objet très mystérieux, et on a beau travailler sur des scénarios depuis 20 ans, on n'a pas le secret. Donc, mais c'est vrai que l'écriture, elle est au centre de la série. L'auteur maintenant a un statut qu'il n'avait pas il y a 15 ans, 20 ans. Il est vraiment le maître à bord, et le dialogue avec le réalisateur ou les réalisateurs est absolument essentiel. Et la question de la rémunération, elle est importante. Il y a peut-être encore un déséquilibre par rapport à un pays comme les États-Unis. Alors c'est lié sans doute au copyright. Il y a peut-être un effort à faire encore en France, probablement d'ailleurs, sur l'écriture, donner davantage de moyens à l'écriture pour prendre plus de temps, pour mieux payer. Et ça, c'est un dialogue permanent et ouvert avec les auteurs. Il y a des choses à améliorer. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, certes, il faut être lucide sur la série française, en se disant qu'on a encore énormément de progrès à faire par rapport à d'autres pays européens, évidemment par rapport aux États-Unis. Mais néanmoins, d'abord, on n'est pas dans la même économie que les États-Unis. On n'a pas la même culture que les États-Unis. Et par rapport à nos voisins, et puis il ne faut pas non plus rougir de notre série et de nos fictions. On a fait énormément de progrès ces 10-15 dernières années. Et aujourd'hui, ce qui est excitant, même quand on fait de la série française, et c'est important que la série soit implantée localement, mais c'est vrai qu'on a envie de jouer dans la cour des grands, qui est cette cour internationale. Et on a envie que nos séries soient vues et appréciées à l'étranger. Elles le sont de plus en plus. Il y a 20 ans, la série française se vendait peu. Aujourd'hui, sur les marchés, la série française se vend beaucoup mieux.
et elle se vend mieux parce qu'il y a des choses qui sont très bien. Et il y a des et quand on parle avec des Anglais, quand on parle avec des Espagnols, des Italiens, des Scandinaves qui ont été précurseurs là-dessus, ou des Israéliens qui sont très bons, ils repèrent régulièrement des séries françaises. Donc il faut à la fois être lucide, on a beaucoup de progrès à faire, mais pas non plus flageller en permanence. Un progrès, quelque chose qui... l'Assemblée, là, le public est très jeune. Et vous allez pouvoir poser des questions. Non, mais ce qui est important, il y a quelque chose... Un progrès qu'on a à faire, c'est nous, Canal, mais c'est vrai, la fiction française s'adresse à un public relativement âgé, et on a besoin de rajeunir notre public. Quelqu'un vous fait signe, là, derrière. On a besoin de rajeunir notre public, et c'est un des objectifs qu'on a. Donc, c'est pas aller sur le terrain Netflix, mais c'est de se dire, on ne peut pas laisser... toute une catégorie, donc la plupart des gens qui sont là, si je demandais qui est abonné à Netflix, à mon avis, quasiment tout le monde le serait. On va essayer. Qui est abonné à Netflix ? Voilà. Donc, et c'est normal, et c'est formidable, je suis abonné à Netflix, et je garde Netflix. Qui paye ? Bon, ça, c'est encore autre chose. Levez la main, juste, mais, personne... Mais... Il y en a moins, quand même, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est souvent... Voilà, c'est des gens... Vous êtes de la même génération. Vous êtes des gens qui ne regardent pas ou peu la télévision traditionnelle, classique. Et c'est des gens à qui il faut qu'on s'adresse, qu'on puisse s'adresser avec des sujets qui les intéressent, qui vous intéressent. C'est des personnages qui vous intéressent. Et là-dessus, on a un progrès à faire.